Donc bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Poncho. Donc pour une vidéo que j'ai pas vraiment envie de faire, puisqu'en fait il va s'agir d'une vidéo où je vais le gameplay est intéressant puisque j'arrive en cours de partie 2 minutes après la fin, 2 minutes après le début, 2 minutes 30 après le début, et je me fais un petit flawless de 16-0, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce dont je veux parler, c'est de l'attitude de certaines personnes sur certaines de mes vidéos. Je rappelle une fois de plus que mes vidéos ne sont pas des supports à guerre de console, on n'est pas sur un forum. Les vidéos que j'ai faites, je rappelle aussi que je les ai faites parce qu'on me les a demandées. C'est pas un jour je me suis vu en disant tiens je vais faire une vidéo comme quoi je vais apprendre aux gens à sniper comme moi, c'est qu'on me l'a demandé. Ensuite, et je m'adresse particulièrement à certaines personnes qui se reconnaîtront si jamais regardent cette vidéo comme j'aurais explicitement demandé, les gens qui viennent de commencer la Wii ou qui commencent depuis Black Ops et qui oublient tout particulièrement que le Classic Controller n'est arrivé que sur Black Ops et que ce n'est absolument pas intéressant de jouer avec. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas intéressant? Je dis que c'est pas intéressant parce que c'est beaucoup, beaucoup trop facile. Je veux dire, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de voir une vidéo sur Wii avec moi au Classic Controller. Peut-être, j'ai pas envie de la faire parce que j'ai déjà essayé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop facile. C'est un peu comme le Black Ops PS3 sans lag. Et ceux qui ont déjà vu mes vidéos de Black Ops sur PS3 savent que... sans patch. Ceux qui ont vu mes vidéos avec patch, imaginez-vous ce que ça faisait si j'étais sur Wii Classic Controller. Voilà. Moi, je préfère jouer à la Wiimote. Ensuite, ceux qui disent Coq, c'est nous, ok. C'est pareil. Une fois de plus, si j'étais connu dans la communauté Wii, c'est pas parce que je jouais bien à la Coq, c'est parce que je jouais bien avec le Rexcope. C'est juste que vous regardez une vidéo comme ça et vous vous permettez de juger, vous permettez de mettre vos commentaires à la con, ce qui me gave par-dessus tout, donc maintenant. Ce qui va être simple, et ce que j'ai déjà dit, c'est que maintenant, je vais bloquer tout le monde, quoi, au final. C'est-à-dire que il y a des commentaires, je peux plus les accepter. C'est pas que j'accepte pas la critique, c'est juste que les commentaires du genre « Eh, c'est pourri, si on y... » Je commence à en avoir plein les burnes. Je commence à en avoir plein les burnes, c'est pas parce que je suis passé sur PS3 que ça veut dire que, ah, tout de suite, j'aime plus la Wii. J'espère qu'on est bien d'accord sur ce point-là. Donc, voilà. Là, la partie va se finir. Ça fait une petite vidéo explicative de 3 minutes 40 et quelques. Là, on en est à 2 minutes 40, 2 minutes 50. Alors, je le dis tout de suite. Si vous voulez parler avec moi, il va falloir parler simplement. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir dire « Ah là, oui, c'est de la merde, etc. » ou « T'as bien fait de passer sur PS3, ou c'est de la merde. » Les commentaires, ils sont pas là pour s'emmerder. Ils sont pas là pour se taper dessus. Ils sont là pour dire ce qu'on pense de la vidéo. Alors j'espère que j'aurai plus à refaire de vidéos comme ça pour expliquer les choses. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt pour une partie complète cette fois-ci. Salut !